Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur BeamNG. Voilà, je ne comprends rien pour le moment, je découvre le jeu. C'est la première fois que je lance le jeu, j'ai même pas encore touché. Oh là 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 là, ça y est j'ai pété le moteur. Alors je sais que je peux passer la vitesse comme ça. Ok, c'est bon. Ok. Là je suis en mode arcade, c'est ultra stylé. Hop là voilà, ça c'est fait, incroyable. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Oh là là là, les fans de BeamNG, j'ai besoin de vous. Oh merde. J'ai... Oh oui, petite vue cinématique, incroyable. Oh c'est beau, je dé... Oh non, pas là. Oh non, pas ça, pas maintenant. Oh ça y est, je suis en feu, je suis embourbé. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, là j'ai foutu en l'air la... J'ai foutu en l'air la voiture. Alors j'ai compris comment la remettre à sa place initiale. Donc ça c'est bien sympa. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien, cette map est super belle. C'est pour ça que j'ai voulu tout de suite commencer par là. Je découvre donc, vous l'aurez compris, BeamNG, je suis un boomer hein. Je suis un vrai boomer, oh c'est incroyable. Oh, c'est ça qu'on aime. Alors je ne comprends rien, là c'est pas une question de quel est l'intérêt du jeu ou quoi. J'ai bien compris justement toutes les possibilités. En fait la vérité c'est que je ne comprends pas comment faire. Pour par exemple, est-ce qu'on peut pas être à pied par exemple, où je suis complètement débile et ça se trouve c'est pas possible. Est-ce qu'on peut être à pied? Est-ce que... Comment on fait pour enlever le HUD? Vous voyez en bas à droite, comment on fait pour enlever ça? Alors j'ai appuyé sur les touches tout à l'heure, par exemple là le World Editor, donc ça c'est génial. Et moi ça me fait kiffer ça, qu'on puisse éditer le monde. Là je sais pas ce que je viens de lever, je vais faire des bêtises. Mais voilà, ah bah voilà, à peu près l'idée. Donc c'est génial de pouvoir faire ça. Mais c'est déjà beaucoup trop avancé, c'est pas ça moi le but du jeu évidemment. Je veux pas faire ça moi tout de suite dans l'immédiat. Moi j'aimerais pouvoir justement me balader mais en dehors de la voiture, pouvoir faire des trucs bien sympas. Pareil pour la souris, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Alors là c'est ma première prise en main hein, les amis hein. Bon, je vais me cracher dans le même virage, hein, on l'aura bien compris. Ok, donc là je suis avec un pick-up. Et vraiment l'ambiance me plaît parce que là j'ai envie de faire une survie frérot. Ça a dérapé là, j'ai fait crisser les pneus, j'ai pas rêvé. Incroyable. La vue cinématique bien sûr. Oh là. Et là en pinette. Wouhou. Là on est sur Far Cry hein. Attendez je vais descendre par là, j'aime bien. Alors voilà, je suis preneur pour tout conseil. Comment vraiment bien jouer, bien configurer ses touches. Parce qu'il y a tellement de fonctionnalités j'imagine. Là je découvre. Et je m'éclate. Et je pense que c'est déjà pas mal. Et là, attends. Voilà, là on vole pas. Sur GTA 5 on aurait déjà volé tu vois. Ah on a pété l'arrière là le... On a pété le truc à l'arrière. Oups. Est-ce que vous croyez que ça passe? Ça passe pas, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait bordel. Ah c'est kiffant. Il y a un petit côté justement Là je suis sûr que je pourrais être embourbé dans le sable en vrai. Ah vraiment c'est bien fait. Ok, est-ce que du coup... Alors maintenant je vais essayer différentes touches. Oh non putain. On dirait une Peugeot Citroën le bordel. Ok très bien. Ouh voilà qui me plaît. Ça c'est une vraie bagnole. Ouh. Ah ouais ça ça passe bien. C'est une traction ou une propulsion ça? C'est une traction. Wouah. La vitesse je m'y attendais pas. Ouh. L'ABS bien vu. Et voilà la voiture est déjà niquée. Ah ouais elle est au bout de sa vie la voiture là. Elle est au bout de sa vie la voiture. Et voilà. Fun, feu. Oh, appelez les pompiers. C'est quoi IA? Trafic. Créer normal, arrière. Retirer le trafic. Oh, ça va ajouter du trafic là, genre? Oh, j'adore. C'est trop bien. Alors pourquoi il recule lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Pourquoi ils font demi-tour? Ils ont peur de moi? What? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors je savais qu'il y avait des contre-la-montre, donc ça c'est cool. Par contre je savais pas qu'il y avait ouais, des livraisons et qu'il y avait par exemple pareil des chemins de bus. Mais attends mais c'est mille fois mieux que les simulateurs de bus qui existent du coup. En vrai. Ok putain suivez-moi, poursuivez-moi, fuyez. Mais non mes frères. Ah ouais mais en fait il y a déjà des trucs de police en fait je pense. Ah oh, je suis un vrai boomer. Ah bah voilà la police. Voilà la police. Incroyable les park rangers. Oh c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Wouh! Oh, c'est trop yambe. Alors ça, par contre, ça va me faire kiffer. La police est à votre poursuite. Arrête! Juste parce que j'ai roulé comme un teubé? Allez, salut! Je me barre! Oh, c'est beau! Allez, salut les losers!
Oh non. Oh non. Oh putain. Oh c'est trop stylé. Et c'est magnifique. Oh c'est magnifique. Je l'ai pas précisé, bien sûr je joue clavier souris, ce qui fait que c'est la galère. C'est vrai que ça peut être sympa, peut-être avec mon Logitech G27, avec le volant ça peut être pas mal. Est-ce que vous savez si c'est si ça peut fonctionner ou pas? Et oh, on a la ville là-bas. Enfin, voilà, vraiment j'ai hâte de voir vos commentaires, vos conseils. Ouah, ça pardonne pas ça hein. Clavier souris, c'est... Je pense qu'au volant ça doit être pas mal. Ça sera beaucoup plus contrôlable comme en vrai quoi. Oh. Oh. Je savais, j'aurais pas dû acheter les jeux Assetto Corsa et tout pour faire du drift. Ce jeu il fait l'affaire. Ce jeu il peut carrément faire l'affaire. Wouh. Non. Oh putain. Oh putain. Allez salut bande de nuls. Wouhouhou. America. Ok, je suis sur l'autoroute, 90 miles par heure, 100 miles par heure. Vous avez échangé vos informations d'assurance. Ah, c'est trop bien fait. Voilà, enfin, c'est plus une histoire d'assurance hein, pour le coup. Hein. Ah ouais, c'est chaud. En vrai, il y a un potentiel de malade. Dès que je connaîtrai bien les codes, que vous m'aurez expliqué certaines choses et tout, en vrai, il y a moyen de faire de très très belles choses sur ce jeu.